tu te demandes si le mot Mansfield est trop difficile pour toi? T'as entendu plein de choses, c'est dangereux, c'est difficile. Je t'invite à écouter cette vidéo-là, tu vas découvrir par toi-même si c'est à ton niveau ou pas. Je vais te faire vivre ce que j'ai vécu. Tu devrais être en mesure de voir qu'est-ce que ça a de l'air. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut répondre à cette question-là. S'informer comme que tu fais là est la meilleure chose. Bon visionnement et puis faites-moi part de vos commentaires. Juste avant de commencer, Mont Mansfield, plus haut sommet du Vermont avec ses 1340 mètres de dénivelé. Le mont en tant que tel compte plusieurs sommets et si on le regarde au loin, on peut voir une espèce de visage. Chacun des sommets comporte une partie du visage, un visage qui regarde vers le ciel. Donc, c'est pour ça que chacun des sommets, si vous regardez sur les cartes des sentiers, tout ça, ils ont tous un nom. Il y a le forehead, le nose, upper lips, lower lips, chin. Il y a aussi la pomme d'Adam. Donc, c'est de là vient le nom de ces sommets. Juste un petit conseil, je vous recommande fortement de vous préparer à l'avance. Choisissez le parcours que vous voulez faire selon les distances que vous voulez parcourir, les dénivelés et surtout les niveaux de difficulté selon les sentiers. Il peut y avoir des sentiers beaucoup plus faciles et d'autres beaucoup plus périlleux. Donc aujourd'hui, je vous présente dans les plus périlleux. J'ai fait mon départ au stationnement de Underhill Park. J'ai pris CCC Trail jusqu'à la jonction Maple Ridge. Ensuite de ça, l'intersection de Rocky Garden. Et ensuite, à l'intersection de Long Range. On aurait pu continuer sur Long Range jusqu'au sommet du Chin. Par contre, on a pris une variante qui s'appelle Lake View. C'est une variante très difficile. Assez casse-cou. Donc ensuite de ça, on se rend jusqu'au sommet et on redescend un petit peu du sommet pour retourner sur le Sunset Trail. Sunset Trail, évidemment, porte bien son nom. Si vous êtes là en fin de journée, vous aurez le coucher de soleil en face de vous. Et puis là, s'il vous reste un petit peu d'énergie juste avant de terminer, il y a une petite alternative que vous pouvez faire, c'est aller voir une roche, c'était assez spectaculaire, c'est une roche immense qui s'est détachée d'une falaise. La roche tient en apesanteur, on se demande comment, mais c'est vraiment, ça vaut le coup d'œil, et puis c'est seulement, je dirais, un détour de 5 à 10 minutes pour s'y rendre. Et on retourne sur le CC Rail jusqu'au stationnement. Hey, salut les randonneurs! Aujourd'hui, on s'en vient faire la super populaire Mont Mansfield. Fait que je suis en compagnie de Grassa. On y va! Beau sentier, présentement sur le CC Trail. Fait une petite chute. Oui! Ah, CC Trail à intersection pour Maple Ridge Trail. Grassa qui est impatiente. Ouais, il a déjà pogné un beat, là. La gazelle est déjà partie. Let's go! Ça commence à monter. Mais c'est une belle trail. Vraiment, là. Très beau sentier. On dirait qu'il y a des petits pas, check ça! Des pas dans les roches. Oui! On dirait que ça a été fait exprès. C'est triché. C'est triché, ça. J'avais même pas vu ça la dernière fois. Première vue aujourd'hui. Encore en train d'escalader. C'est nice! C'est cette craque-là, faut que tu traverses. Oh wow! Comment tu dis ça? Ben non. Faut traverser ça? Non! Non, non! Je te gâte. On est gâté avec la météo. Puis ça se descend bien? Ouais! Ce petit bout ici, OK, un petit obstacle ici. En espérant qu'il n'y a pas de toile d'araignée. Bon. Oh my God! Ouais, c'est... Pour ramper. Quelle
Écoute, tu m'as fait vivre des choses tantôt, là. Ouais. Oh non, c'est pas ici. C'est pas là? Non. C'est beau, ça. C'est encore pas ici. C'est là-bas. Check ça! Ah, que c'est beau! Wow! Ah. Oh, il y a plein de champignons! C'est beau! Check! Qu'est-ce que tu vois de si beau? Check! Oh my God, c'est mouillé! Ouais, ça va être assez prudent. On est mieux de ranger les bâtons. Ah, il y a des belles craques là pour cette nuit. Ouais, les craques là, une chance. Ouais, craque. Ok, non, ça va, ça va. C'est pire que ça a l'air. C'est toujours pire que qu'est-ce que ça a l'air. Hein? C'est pas ça? Ça a l'air pire que ça a l'air. En tout cas. C'est moins pire. Ah, oh, c'est moins pire que ça a l'air, mais c'est pire que ça a l'air. T'as scrap tout le temps, cette phrase-là. Moi, je sais pas pourquoi. Oh my God. Je sais pas. Ouais. Non, ça, c'est trop loin. On attend encore un progressant. Oh, ouais, mais j'essaie de voir où est-ce que je peux mettre ma patte. J'ai des petites pattes. Mais c'est pas très pratique, tes petites pattes. Ok, c'est bon. Ici, c'est étroit, étroit, Mario. Ah ouais, je passerai pas dans le trou, là. Je sais pas. Ok. Bon. Là. Il faut que je retienne mon souffle, je rentre la bédaine. Écoute. J'essaie de trouver une façon de descendre la... Ok, ouais. Oh, ok. Bon, je sais pas comment je vais faire pour passer là-dedans. J'ai mon caméraman privé de face. Je suis à l'étroit. Mais je crois que ça passe. Je sais pas qu'est-ce que t'as laissé derrière. T'as-tu laissé quelque chose derrière? Non. Non, non. Qu'il y a au nez, non? Vraiment, non? Ouais, j'adore ça, ces bouts-là. Bon, ça, c'est facile. En réalité, là, c'est parce que on peut pas aller vite là-dedans, fait que je peux prendre mon souffle. C'est pas grand-chose. Ok, c'est... Pas rien. Magnifique. Il n'y a pas de pluie aujourd'hui, puis regarde ça, toute l'eau qui coule de la roche. Je sais pas si on c'est le voit. C'est beau, hein? Tout est... C'est beau. Moi, j'aime ça, c'est cool, les couleurs, mélange de couleurs. Ah! Perds pas tes bâtons, là. J'espère que c'est une bonne idée, ce que je viens de faire, là. Laisse-toi glisser, je suis en bas. Je peux pas me glisser, j'ai un petit cocktail. C'est une blague. Oui, j'espère. Il exagère avec leur crack. Oh! Nice. Une crack qu'on passe debout. Oh. Donc, on veut aller au forehead. Donc, c'est par là. On dirait qu'il y a une grosse paroi, c'est de la... Oh my God! Ok, on... Ok, on va aller voir ce que ça donne. D'ici, ça donne une falaise. On attaque ça. Oh! Ça monte. Ça arrive. Les singes sont pas tout aux os. Ben voyons, qu'est-ce qu'on fait là? Ah oui, il y a une échelle. C'est une échelle? Oui, il y a une petite échelle là. J'étais là, je dis, voyons, on va essayer, je vais aller là. Mais il y a une petite échelle. Ah.
Ah, pour descendre, je pensais qu'il fallait monter plus haut. Oh. Ouais, mais ça serait quand même dur à monter, là. Ouais. Ah, ça, c'est beau, les petits sentiers étroits. Je pense que c'est plus facile à monter que la descendre. Check comment il est beau! Oh! Un champignon! Encore des échelles. On s'approche du forehead. On arrive. Oh yes, on voit les antennes. Et ça est en feu. On va arriver vite. Faire attention, pas glisser. Oui, c'est bon là-dedans, nous. Hop là! Oh my God! Prouve-moi que t'es digne de quelqu'un qui a fait la GR20. Ben non, c'est comme si je l'ai pas fait. Je m'en viens, je m'en viens. Okay. Là, t'es complètement vertical par rapport à moi. OK, je l'ai. Je vais juste faire attention, évidemment. Il y avait un chemin plus direct. C'était pratiquement une route d'auto. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, ben là, on va pas marcher dans un chemin d'auto, on va aller dans le chemin difficile. Non, non, je savais pas qu'il était difficile. Tu m'as dit, on fait juste contourner. Correction. Ah! Écoute, les roches sont glissantes, là. Ça n'a même pas d'allure. Hein, on dirait, là. Mais oui! Ils sont mouillés. Super glissant. Ça a l'air de rien, là. Ah, c'est beau, le rouge, là. Wow! Ouais, des belles couleurs. Ah. Oh my God, ça descend. Non, mais Mario, là, c'est impossible, là. Oh, OK, ça se corse. Ça se corse comme la Corse. On n'est pas en Corse, là. Non, je sais, mais... Oupalaï! Check ça! On se pitchait là-dedans, quoi? T'as-tu une corde? Quelque chose? Voilà. Regarde ça! Oh! OK. Oh! OK! Regarde, c'est toujours pire que qu'est-ce que ça a de l'air. Mais là, je ne sais pas comment j'en passe ça.
va bien aller. T'es rendu. Tes mains comme faut. Là, faut te mettre tes fesses où il y a tes pieds après. Fait qu'amène tes pieds au bord de la paroi. Ben oui. Juste un petit peu. C'est ça. Prends-toi des bons appuis avec tes mains. Puis regarde, t'as juste une petite marche à faire là, pour aller jusqu'à ma main. Voilà. T'es rendu. Hey! Qui a dit que c'était difficile? Test de sourire. C'est ça qui admire le paysage ou qui essaie de reprendre son courage en main. C'est assez mouillé, on dirait que là, ça me... Le cœur! Fait que là, ici, soit vraiment, là, avoir un bon ton pied, là, c'est ça. Prise, faut que tu traverses l'autre bord. On va agripper le gros arbre après. Voilà. OK. Lake View Trail. La rando, elle a pris une toute autre tournure. Tout à fait. Combien? Une rando à faire à quatre pattes, on dirait. Grâce. À quatre pattes par en arrière, sur ses fesses, oh. Écoute. Aïe, aïe, aïe. Okay. C'est précis. On va te déprendre. Et là... C'est accidenté. Deux genoux éraflés plus tard. Il se passe quoi? Oh mon Dieu! Oh, c'est glissant! Ok, je vais le mettre sur la mousse. Ouais, une popée craque. T'en passes. Mais oui, mais si tu vides, là. Ok, ici, on a une petite passe dans le vide. Faut se tenir après des branches parce que. Aïe, 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 que c'est impossible à filmer. Ok. Aïe, aïe. Chance qu'il y a des arbres. Très, très en pente. Très, très glissant. Grâce à trouver une bonne prise sur son pied. Viens-t'en. Il n'y avait pas des belles prises de même tout le long. Et là, ça va bien. Ouais, là, ça va, mais quand même, c'est quelque chose. Ouh! Notre petit détour de Lake View Trail. Ouais. Hey, on s'est sauvé tout ce chemin plate, là. Ben oui, tu sais. Puis Mario. Oh my God! C'était un popé détour. Ready? Surtout en montée. Ok, c'est beau. Ah, t'es arrivé à la sunset. Mais on continue. On va ramener descendre par là. Par le petit sommet. Sommet. Le chin, le menton. Mansfield. La peine est là. La peine est là. Station de ski. Sunset Ridge Trail. Ouais, la marche est haute hein? Après quelques heures de rando. Wouhou! Les bâtons ont resté coincés. Thank you.
plus silencieux la rando en fin de journée quand on est brûlé, hein? Concentré. Terminé. La tape. Oups. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne ou tout simplement mettre la mention « j'aime ». C'est seulement un petit geste et pour vrai, ça fait vraiment une énorme différence. Merci beaucoup. À la prochaine.